Et bienvenue pour ce stream sur Resident Evil 7. On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. La seule issue, après un combat intense dans le garage, Ethanol pour les intimes, parvient à rejoindre le hall principal, mais la porte donnant sur l'extérieur est fermée. Il faudra plus qu'une simple clé pour l'ouvrir. Donc on était dans cette baraque avec ma bite et mon couteau, voilà, exactement. Avec... Ah oh, putain, je suis blessé. On va peut-être se soigner du coup. N'hésitez pas à me dire pour le son du jeu ou le son de ma voix s'il y en a un des deux qui est trop fort. Comme d'habitude. Alors, attends. Qu'on se remette bien comme il faut. On a deux têtes de chien. Il nous faut encore une tête de chien pour ouvrir la porte pour se barrer d'ici. Il y a papa qui rôde dans les couloirs. J'allais dire sur les trottoirs. Oh putain. Baker prostituée, bonjour. Ouais. Oui voilà, on avait une cassette. Attendez, le temps que je retrouve. Et je crois que la télé est en haut. Alors on va se marrer. Alors, où est papa? Je crois que papa il part là. Alors. Mon cher et tendre m'a conseillé de... Ah, c'est pas par là. Ah si, c'est par là. D'arrêter de courir dans tous les sens comme une grosse débile que je suis. Et d'y aller plus en mode discretos. Ce qu'on va tenter de faire. Je vous promets pas d'y arriver. Écoutez, là, je suis montée en mode tranquillou, hein. De bien fermer les portes derrière nous. Ah, Moréa, donc, qui va vous faire le jeu, qui nous fait un gros bisou. Enfin, qui me fait un gros bisou. Pas à vous. Si. Voilà, nous allons nous accroupir. On va y aller tranquillou. Pourquoi t'as pas mis la rediff du premier épisode? Coucou Valentine. J'ai mis sur les réseaux sociaux. J'ai pas expliqué pourquoi. Mais la rediff sortira demain. Au lieu de ce soir. Attendez, on va regarder par la fenêtre. Soyons intelligents. Il y a l'air d'avoir personne, écoutez. Ah putain de merde! Mais quel enculé! Mais le mec il est arrivé sans faire un bruit! Tiens, coup de couteau! Coup de couteau! C'est... Ok, ça marche pas du tout ce que je fais. Putain, mais quel enfoiré! Mais non, mais... Putain, je me suis chié dessus, quoi! Abusé! Ah putain. Oui, et du coup ça rame un peu ici, je suis désolée, je peux pas y faire grand chose, j'ai déjà baissé les graphismes. Putain, j'ai perdu la vie quoi. Le screamer de l'entrejambe, c'était tellement ça. Mais attends, on l'a même pas entendu arriver le mec quoi. C'est abusé. J'ai mis hyper fort justement pour me dire on tente ses pas, on va vraiment y aller en mode hyper discret machin et tout. Et le mec il arrive. Oh putain. Coucou Clashtron. Attendez, je bois un coup. Putain, papa quoi. Quel enculé. Bon. Premier échec. Ah
Attends, j'ai pas fait de bruit. Comment il a su déjà que j'étais derrière cette porte? Limite, faudrait l'attirer en bas. Ce serait plus simple. Tu vois qu'il est en haut, comme de par hasard. Sinon, ce serait pas drôle. Je sais pas pourquoi je galère autant sur cette séquence, genre, mais je galère, hein. J'essaye de faire du bruit. Ça a pas l'air de marcher. Ok, il est dans la cuisine. On va essayer de passer en mode discret. Putain, discret mon cul, il m'entend quoi. Bordel. Bon, je vais tenter. Ouais. Putain, ça rame. Je vais tenter l'astuce que m'a donné Truffy. J'ai pas fermé les portes. Fuh. Fuck, tant pis. On va attendre. Le screamer du penny. Il est là. Il voit à travers les portes. Non mais c'est abusé quoi. C'est abusé. Genre trop fil à des astuces, ouais. Bon, il est pas là en fait, je peux peut-être regarder la cassette. Allez, vite! Démarre la séquence! Ouh, c'est bon! Putain! Ah non, je suis pas discrète, ça c'est sûr. Mais bon, quand même! Putain, je me mets accroupi, machin et tout. Le mec, il m'entend quand même. Alors, la cassette qui va nous apprendre plus sur Mia. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Non, c'est sûr, non. Après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Ah bah oui, tu m'as coupé une main. Je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Ils sont très inquiets. J'ai eu peur. Donc elle a essayé de se barrer, elle aussi. Oh putain! C'est ma manette que vous entendez vibrer. Ah bah attendez, je suis pas prête. Con! Et derrière moi? Oui, derrière moi. Ok. Oh, les petits poupons bien sales. C'est pas très... très original, mais bon. Ok, où suis-je? Mais c'est n'importe quoi! Les portes qui se ferment toutes seules et après qui sont verrouillées toutes seules. What the fuck? Non, j'aime pas les gosses. Non, c'est moche, c'est sale. Non, je veux pas. Tu pues, dégage. La porte s'est refermée. Oh, merde. Ah, c'est quoi, c'est l'étoile d'araignée? Ah, bah dites pas qu'il va y avoir une araignée géante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Ok. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée. Le petit manège. Mais elle arrive par où? Ah! Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Mais je me cache où? Les portes sont fermées. Ma manette, quoi. Mais non, mais attendez. Comment ça s'éteint, cette merde? Attendez, on va en profiter pour essayer la manette. Ce sera peut-être un peu plus jouable. Ah, je suis vraiment là.
Comment je... Ok, je suis cachée là. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Je suis cachée là. C'est tant pis pour ma sœur. À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. J'ai fait caca culotte. Bah bravo. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. C'est un don. Ah. C'est peut-être un peu plus maniable à la manette. Je sais pas. Soit elle s'excitait toute seule, là, fallait que je la prenne, hein, parce que... Ok, ah, ça va être... Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Mais elle est là. Je suis cachée là ou pas? Trophy, t'as un vibromasseur sur patte, bah bravo! Ah donc Mia connaît Zoé aussi? On va faire des bébés! Et tu veux pas te barrer sérieusement? Merde, j'ai oublié de me mettre en mode hors ligne. Je sais pas où elle est. Elle est là. Non, ne viens pas par ici. Oui, ne viens pas par ici. S'il te plaît, j'ai pas d'autre putain de cachette. Elle vient par ici. Grosse pute. Pardon. Barre-toi! Est-ce que c'est le moment où je suis censée repasser dans la maison? Mais pour aller où? C'est ça le problème. Barre-toi! Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Bon bah c'est mignon, tiens. Qu'est-ce qu'elle branle? Nous t'ouvrons notre maison. Mais j'ai rien demandé, moi. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu? Moi, je me casse. Alors, attendez, j'ai vu un truc ici. Ah, c'est quoi ma touche A? C'est un truc pour faire flamber, ça, non? Tata la tata. Ah mais je peux peut-être me barrer Non. Ah. Ah. Ah c'est ça la statuette que j'ai récupérée là. Mais je vais jamais avoir le temps de faire cette énigme avec l'autre qui me court après hein. C'est mort. Attendez, je suis censé faire une araignée avec ce machin. Ouais. Ouais. Ah, ça sent pas mal là, non? Non, attendez. C'est quoi cette énigme? Attendez. Attendez. Ah non. Non. Non, alors je vous préviens, on va passer 45 minutes là-dessus. Dépêche-toi, Nao. Non, mais des fois, faut se dépêcher, des fois, faut pas se dépêcher. Je sais plus, moi, à faire ça. Ça, c'est austère, y'a même pas une petite musique. Genre, musique d'énigme. Oh, ça va me casser les pieds. Attendez. Attendez. Et j'avais trouvé un truc tout à l'heure. Ah!
Et eh ben voilà, c'est ça. Attendez. Merde, j'ai réussi à la faire, mais juste pas dans le bon sens, quoi. Fait chier. Et bah là, c'est pas mal, non? Ouais, c'est bon. Tu peux le faire. Donc voilà, c'est l'énigme qu'il faut qu'on fasse. Oula, ça rame du cul. C'est ça que ça a ouvert? Ouais, je crois bien. C'est l'énigme qu'il faut qu'on fasse en bas dans la maison. Coucou Nao, je regarde pas parce que je joue aussi. Donc, pas d'espoil. Ok, pas de soucis Alpha, t'inquiète pas. Je comprends. Attends encore. Coucou Deadshot. Bah ça va bien, écoute. Et toi? Où suis-je? Ah, je suis l'autre côté, ok. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Oh putain! Comment je cours? Non! Dégage! En attendant, Nao est l'une des personnes à comprendre le système d'ombre, donc elle se rouille pas si mal quand même. Pourquoi? Bah si, c'était facile à comprendre, non? Bon, faut que je me recache. Est-ce qu'elle arrive? Est-ce que je peux me cacher là-dedans? Elle arrive pas, là! Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Bon sang! Toi! Toi! Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! J'en veux pas! Elle vient par quel côté? Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Elle m'a vu? Accepte-nous! Non, je veux pas! C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Et tu te rends même pas compte! Poup, 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 poup! Non, 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 n'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. Mais fous-moi la paix. Jeune fille. Oh putain. Ah. Ah, ça c'est ballot. C'est une pièce mécanique, ok. Il y avait un truc derrière peut-être, non? Non. Oh. Oups. Où crois-tu aller comme ça? Putain, elle est dégueulasse! En gros plan comme ça! Alors, par contre, ce qui est moche, c'est que je crois que. Succès déverrouillé, reine de l'infiltration! Oh, merci! Je suis juste morte 3 fois! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Il est où? Alors, ce qui est moche, c'est pas ça. Et du coup, je connais pas les boutons ouais, sur la manette. C'est un peu. C'est pas pratique. Comment. Comment on ouvre l'inventaire? Ah, c'est là. Ouais, ce qui est moche, c'est qu'il faut que j'aille chercher la statuette en bois parce que je l'ai reposée dans le coffre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on redescende. J'espère que j'ai rien oublié. Ferme ta grosse gueule, c'est toujours agréable. J'avoue. Et pouf! Ça fait des chocs à pic. Alors. Donc on va reprendre, on a besoin de ça. Hop. Voilà. Je suis pas censée être là, mais je peux pas m'empêcher. Coucou Shigo.
Ah, tu vas pas le battre parce qu'il est à la bourre. Ça va être cool qu'il soit là. Alors, il est où ce gros con? Papa? Je l'ai pas entendu? Je vois rien là. Je sais pas où est papa. Je crois qu'il est juste derrière la porte. Je suis pas du tout caché là. Là, je suis caché là. Ce qui serait bien, c'est qu'ils descendent. Pas qu'ils sortent. Nao à la recherche de son padre. Bisous, Imran. Merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Allez. Allez, papa. Ce serait bien, c'est qu'il passe cette porte. Qu'il aille boire un coup dans la cuisine. Oh, Jora, salut! Elle a pas l'air de vouloir. Il m'emmerde, ce mec. J'ai ouvert la porte, il était genre juste là. Si là, il m'a pas entendu, c'est qu'il est con, quoi. Mec, il me voit derrière des portes, mais il m'entend pas quand j'ouvre la porte juste derrière lui, genre... Eh ah, ah bah non, désolé, en fait. Non, mais c'est abusé, quoi. Ça l'a même pas attiré, genre, il m'a même pas vu. Il m'a même pas entendu. Coucou, Yatterwin, excuse-moi. Excuse-moi. Si, c'est bon, il passe la porte. Non? Putain, mais il veut pas sortir! Moi, j'y vais comme ça. Je sais pas où il est. Je crois que je l'ai entendu. Faut juste que je m'approche du sol, on va y aller. Ah non, c'était l'ombre du ventilo. Bon, bah les couilles. Ça, c'est bien. L'énigme se lance et du coup, nous sommes tranquilles. Attendez, vous êtes sûr que je peux faire un piaf avec ça? Ah oui, 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 oui. C'est pas ça, là? Merde. Oh, si c'est ça, là, vas-y, abuse pas. Si, bah c'est ça en plus, non? Presque. Ah, c'est pas mal comme ça. Là, là. Là, comme ça. Oui! Nickel. Papa va pas nous suivre là-dedans quand même. Qui a construit cette baraque? Mais t'as, putain, ta gueule! Ça fait peur, le con. J'étais coincé derrière le truc. Allez, c'est bon, il va pas nous suivre là. Il est trop gros. Allez, progresse. On avance, super. Ça fait plaisir. Dites-moi qu'il peut pas venir là, s'il vous plaît. Qu'on ait un peu de calme et de sérénité dans le jeu, au moins 5 minutes. Pitié.
Oui ? D'accord, c'était rien. Je me suis un peu chié dessus. Non, mais... Oh ! Des vrais trucs à bouffer ! Et des bières ! Sers-toi, mec. Psychostimulant. Pour repérer des objets. Putain, mais à quoi ça sert ? Merde, attendez, je sais plus comment... Voilà. J'ai fait légèrement un peu de bruit. Des chiottes ! Ok, on a une porte ici. Qui mène sur le dehors, apparemment. Ah, j'aimerais tellement les sauvegarder, quoi, mais bon. Là, ça mène où ? C'est quoi ce bruit dégueulasse? Une sauvegarde? Non, c'est trop demandé. Ah, j'ai plus rien pour crocheter. Ou alors c'est dans le coffre. D'ailleurs, j'ai plus de place dans mon inventaire, ça c'est pas cool. Ah! Génial, bah écoute, merci, ça me fait plaisir. Tout ça pour ça. Une pièce antique. Et je l'ai foutue où, ma pièce antique? J'ai plus de place dans mon inventaire. Ok, il m'en reste une. Ok. Bah j'ai rien dit. Là, y'a rien. Oh. C'est quoi ça? On dirait un dessin d'enfant. Non, non, moi je décide la même chose, je te rassure. C'est marqué quoi? Ah, merci. 14 juin, couple en vacances. Résultat concluant pour le mari. Il est le 12e, malheureusement, la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. 7 juillet, 3 étudiantes. Elles ont pourri toutes les 3. Lucas est un imbécile. Lucas fait des bêtises avec les étudiantes, je crois. 13 août, sans abri, il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Donc il mute des gens. Il mute. Ah oui, c'est pas faux, ouais. Merci Truffy, c'est pas bête. Qu'est-ce qu'il a fait Shigo? Ça y est, il a fait une bêtise. Et là on est où? Ah merde, on est dehors? Ah non. C'est moi ou ça pue? Non, je veux sortir! Non mais attendez, j'ai... J'ai pas d'armes, j'ai rien! Non! Je veux pas crever! Ah, dégage! 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 Oh! RT, c'est quoi ma touche RT? Ah oui, LB, ouais, c'est la garde. Oh putain, attendez. Tu permets qu'on se revoie plus tard? Non mais genre, il me suit partout! Papa, viens m'aider, il y a une bébête ici. Oh! Mais et putain, pourquoi il avance pas? Avance! Mais... Ok, j'ai légèrement failli crever. Je ne vois plus rien. Est-ce qu'il me reste du soin? Ouais, je peux en fabriquer un. Attendez. Combinaison. Eh ben. Bah oui. Ok, ouais, je vais peut-être repasser à la souris en fait. Je galère un petit peu, mais je sais plus comment faire pour déconnecter la manette, ça m'emmerde. J'ai pas envie que ça vibre dans tous les sens. Comment on fait pour déconnecter cette manette? Oh, please, c'est en pas. Le jeu rame, bah ouais, mais j'y peux rien, les gens, j'y peux rien. Du coup, Jorah, il s'en va. Le jeu rame, faut que je me fasse. Bon, écoutez, je vais la remettre là, mais bon. J'ai peur que ça soit un peu chiant. Alors. J'aimerais bien les poser les têtes sur la porte. Si papa vient pas m'agresser.
Ah oui, c'était là. Ok. Essayer de repartir tranquillement. Je suis encore blessée. Tranquille, loulou. Ta ta la ta la. Ok. Bon, c'est bien, on avait déjà papa, il nous fout un autre monstre. Je suis très la joie. Je suis hyper contente, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré finalement? Comprimé qui existe en parallèlement à l'essence, facilement le repérage. Ouais, ça sert à rien, ok. La cassette, on en a plus besoin, donc je peux peut-être la mettre dans le coffre. Ça me fera de la place. La pièce aussi, pour le moment, je sais pas à quoi ça sert, les pièces. Alors, attendez. Hop, allez, ça on y fout dans le coffre. Ça aussi. Et ça aussi. On va se remettre le flingue. À recharger. On va essayer d'aller péter la gueule à l'autre. J'espère que j'ai assez de munitions, je suis pas sûre. Allez, on y retourne tranquillou. Quoique non, je peux y aller en courant en fait, sans bat les steaks. Sans bat les steaks. J'ai pas du tout fait de bruit. J'espère qu'il m'attend pas juste là. Qu'il a reculé un peu quand même. Les stimulants, c'est utile. Ouais, mais pour le moment, j'aurais peut-être pas... Coucou Dylan, j'aurais peut-être pas besoin tout de suite. On va déjà essayer de tuer lui, sans crever. De préférence. Ok, elle est reculée, c'est déjà sympa. Ah, il s'est même rebarré dans sa pièce. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller voir l'autre pièce avant de le dégommer? Non, allez, on va essayer de le tuer. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai plus un pour me soigner, par contre. Il est où? Il s'est barré? J'entends des bruits dégueulasses, mais je le vois pas. Alors là, c'est inquiétant. j'ai perdu mon monstre. Personne l'aurait vu. C'est plutôt inquiétant, quoi, non? Coucou Andrea. Et je sais pas, je sais pas où il est. Je l'ai perdu. C'est là que les neufs ils se disent ah mais non mais ils vont le tuer. Les joueurs vont tuer le monstre. Ils vont pas se barrer comme ça. Et du coup j'ai juste fait disparaître. Ça serait trop bien mais bon, j'y crois pas une seule seconde. C'est dégueulasse ici hein. Ok, donc ça je vais pas pouvoir l'ouvrir. Je sais pas où est le monstre, ça m'inquiète. Ah, je crois qu'il est par là. Je crois qu'il est pas loin. Putain, j'entends des bruits, mais je sais pas où ça vient. J'ai trouvé une nouvelle pièce safe. Oh oui. Oh oui. Oh, une sauvegarde. Il est caché derrière une porte. Je serai sans les bancs. Ah, ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait plup?
Je sens que quelque chose est en parmi chez moi. C'est sûrement cette saloperie qui m'ont fait avaler. Si je dois y rester, je veux au moins me battre. Je vais m'emparer du fusil que j'ai vu dans la salle de jeu et leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Je dois partir d'ici, Courtney. Je t'aime. Pourquoi ça a fait boum boum? Ah oui, il y avait l'histoire du fusil aussi. Il y en avait un en haut, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et j'ai rien pour crocheter. C'est embêtant que j'ai rien pour crocheter. Des munitions, merci. Okay, je sais pas où est le monstre. Hein. À tous les coups, il est en bas. Moyennement cool. On me cherche? De quoi toi ou le monstre? J'aime pas quand il y a des sauvegardes. Généralement, c'est pas bon signe. Je sais pas où je vais être. Tralala, tralala. C'est vers l'autre côté, ok. Bon, moi, je sais qu'il y a une pièce sécu pas loin. C'est dégueulasse. Je pense que c'est censé représenter cette merde, mais... Il y a du vieux... Aïe! Non, il m'a pas touché, c'est bon. Il est mort? Oh oui! Le GG! Le GG! Le GG! Non, je fais pas du tout des trucs dégueulasses avec ce monstre. Il est mort, hein, il revient pas à la vie, hein. Pitié. Parce que ça va 5 minutes, hein, les monstres qu'on peut pas tuer. Par deuxième, quoi! Attends, attends, je recharge! Non, mais 2 secondes! T'es pas gentil! Aïe, aïe, aïe! Je vais crever! Non, trompe trop vieille, un monstre! Putain, j'étais contente de ma victoire et juste après, je me fais tuer. Bon, bah, comme ça, ça fait! Créature, elle est extrêmement coriace. Pour la neutraliser, vous devez lui faire exploser la tête ou la démembrer. Ok. Mais j'avais encore des balles après. Je suis même pas sûr. Bon, bah c'est reparti. Vous verrez jamais la fin de ce jeu, les moignons. Je vous préviens. Piti piti. Oui, il est là. C'est bien, j'ai déjà loupé 2 fois, 3 fois. Wow! C'est pris une accélération d'un coup, quoi. Bon, j'ai 10 balles. 10 balles! Ce qui est chiant, c'est que l'autre il est dans une pièce bien fermée. Tu viens, mon joli? On va essayer de la tirer là, ce sera plus simple. Te rapproche pas! J'ai plus de balles. Ok, là c'est le moment où je fais ma grosse lâche et que je vais sauvegarder. Surtout que j'ai plus que 7 balles. Mon joli. Bah quoi. La beauté est personnelle pour chacun d'entre nous. Voilà. Ok, je me sens mieux. J'aimerais bien retrouver un truc pour me soigner, parce que je suis pas en pleine forme. Comment il a sprinté? Mais ouais, mais des fois il se prend une accélération d'un coup. C'est pas cool. Putain, je sens qu'il va y en avoir d'autres. Bon, au moins je peux visiter une pièce. Une pièce! Donc ici. Hop.
Pitié, donnez-moi des trucs. Fluide chimique fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites combiner avec d'autres objets pour en modifier les propriétés plus fort que le fluide chimique normal. Donc je peux faire un truc de soin avec. Non? Si! Restaure complètement la vie, ok. Donc on en a un, mais faut pas que j'utilise maintenant. Ça serait bête. Ensuite. Bon, on avance les gens, on avance. Là, il y a que dalle. Lucas, j'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je vais l'enfermer dans l'incinérateur. Oh merde. Tout à gauche, pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Charge-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. 3A et une empreinte de main. Ok. C'est bien, oui. Ok, y'a rien. Bah là, y'a une empreinte de main. William. Sean. Tamara. Ok, faudrait trois prénoms à base de A, c'est ça? Une empreinte de... C'est dégueulasse, j'entends un truc grouillé, quoi. Poudre à canon. Cool. Ok, alors, 3A. Là, il n'y a pas de prénom, donc on s'en bat les steaks. Ferme-moi. Ah si, c'est Sean. 3A, une empreinte de doigt. Eh ben voilà! C'était pas compliqué comme énigme, voyons. Ah! Heureusement que j'ai un super soin, mais j'ai plus de balles! Je me demande si je suis pas en train de faire de la merde dans le jeu. Est-ce que ça serait pas mieux que je me fasse. Que je me fasse. Reste surtout trouver au pif. Ah bah merci, Siona! Ta mère, sa mère, notre mère! Est-ce que ça serait pas mieux que je me laisse crever pour récupérer les balles? Parce que j'ai peut-être fait du caca. Oui, oui, il y aurait une rediff. Oui, tu as fait la merde cordialement. Bon, bah on se laisse crever et on recommence. De toute façon, j'avais sauvegardé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un monstre qui sorte aussi. Ouais, bon allez, on va faire ça. Je me sacrifie pour la bonne cause. Parce que là, j'ai plus de balles, quoi, c'est emmerdant. Est-ce que... Attendez, est-ce que je peux faire des balles? Attendez, je peux peut-être faire des balles, en fait. Parce que je crois que j'avais des munitions dans le coffre. Non, on ne meurt pas. Ok, pas de soucis, Bunny. Attendez, le coffre, il est là. Là, j'ai la poudre à canon aussi. On peut pas faire des balles avec ce qu'on a là? Ah, mais il me faut un fluide chimique. Ah, merde. Donc non, on peut pas. Clic, clic, clic. Utilise le stupéfiant que t'as laissé dans le coffre. Mais pourquoi faire? Ça, là? Le psychotruc? Mais pourquoi? La prochaine fois... Oui, je peux en craft des... Oui, j'ai dit qu'il y aurait une rediff. Arrête de spam, s'il te plaît. J'ai dit qu'il y aurait une rediff. Ne t'inquiète pas. Ploup, ploup, ploup.
Essaye, tu verras. Bah ouais, mais je vais pas laisser n'importe où, justement. Écoutez, on va tenter de se le faire au couteau, hein, mais... j'ai pas du tout de... Car petit tips, ces monstres disparaissent quand tu les... Quand tu t'éloignes loin. Quoi? Le stupéfiant augmente ta vie. Ah bon? Le monstre va disparaître si je me casse. Ouais, mais bon, faut que j'aille fouiller. Non, au pire, ce qu'on peut faire... J'ai une autre idée. Bon, je vais pas sauvegarder, comme ça, si je meurs, tant pis pour mes fesses. Oh bah non! Mais putain! Mais abusé! Mais y'en a partout! Mais non, mais... Utilise le stimulant au début d'une nouvelle zone, ok. Ce que je pensais faire, c'était peut-être s'occuper, voir si on pouvait aller récupérer le fusil, qui nous serait très utile contre ces monstres à la con. Parce que là, j'ai plus rien, quoi. Ah oui, du coup, je vais dans la salle et du coup, il est plus là. C'est vrai? Ah oui, c'est barré. Bah ça, c'est cool. Bon. Mission fusil. J'ai rien oublié ici, là. Oh, ça grouille, c'est dégueulasse. Mission fusil. Oh, j'avais pas vu ça. Tous ces gens sont peut-être des victimes. Ok. Faudrait qu'on récupère le fusil. Alors, il me semble qu'il faut que j'aille en haut. Il n'y a rien derrière ce beau rideau. Non, ok. Je suis déception. Oui, la tête refit des spades, quoi? Tu peux esquiver ces monstres, prendre ton temps et les tuer en visant 4 fois la tête. Ta garde peut les bloquer efficacement. Ouais, mais il faut une arme, quoi. Là, c'est pas avec mon couteau que je vais y arriver, je pense. Non mais je suis d'avis d'aller essayer de récupérer le fusil. Je sais pas où est papa. Parce que là il y a un fusil. Le souci c'est que dès qu'on essaye de le prendre, ça ferme la porte. Donc j'aimerais retourner fouiller en haut. Si papa me le permet. Que papa va me le permettre. T'as des questions? Je trouve que je mets beaucoup de temps à avancer quand même. C'est quoi ce bruit de merde? Marguerite! Ok, alors ça c'est le truc du hippie. On va fermer la porte. Ok. J'avais vu un couteau à un moment donné, mais je sais plus où il était. Ah, oh, poudre à canon, cool. On trouve des trucs. Ça, j'avais fouillé. Peut-être fermer ici aussi. Putain, mais vas-y. Je vais t'écraser comme un insecte. Mais... Putain. Ça me pète légèrement les noisettes, hein. Ah oui, alors là, j'ai un truc à crocheter, mais je peux pas le crocheter. Pas de monstre, s'il vous plaît. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Il est là! Ah! Putain, mais rentre! Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il a disparu, en fait. Ok, d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça peut me servir. Je suis aux lumières dans le trou.
Va falloir faire mieux que ça, gamin, le patron de LCG. Ouais, j'avoue. J'avoue. On aurait tendance à oublier qu'elle contrôle un homme avec ses blagues. Quelle blague! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je triche? Mais j'ai plus de munitions, les gens! C'est pas que je triche! C'est chaud, quoi! Comment on fait pour parer déjà? C'est comme ça? Non, je peux même pas parer avec mon couteau! Ah si, c'est ça pour parer, ouais. Ok. Et voilà!